Allô? Là, il y a de la paix, ton ananier. Il y a de la paix, Claudia. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va, ma belle Lucie? C'est votre mère bio. Un vendredi qui s'annonce assez chargé. Voilà. Un week-end assez chargé, merci. J'étais très matinale aujourd'hui. Je suis sortie. J'ai fait un peu d'ouvrage. Je suis revenue. Et je vais repartir tout à l'heure. Avant ça, j'ai eu à cœur de partager quelque chose avec toi. Voilà. Bonjour, bonjour. J'accepte ton invitation. Ok, maman. J'ai tellement d'invitations à accepter. Abonne-toi seulement sur mon compte personnel. Non. Tu t'abonnes. Tu me suis si tu veux. Tu peux me suivre en fait. Tu peux me suivre. Mais mes posts sont publics. Donc, du coup, que tu sois ami ou pas, tu peux suivre quoi. Il n'y a pas de souci. Comment ça va? J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, ça va, tout baigne. Tout baigne. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, de demandes de personnes parmi vous. J'espère que vous m'entendez bien. Le volume est assez. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, hein? Alors, j'ai eu reçu de demandes, ça fait longtemps, hein, ça fait plusieurs années que je reçois toujours ce genre de demandes, d'aider les personnes à, comment on appelle ça, à demeurer mariées, en fait, pour les femmes qui sont mariées, surtout. Vous savez, le mariage, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose de divin, c'est Dieu qui permet que les gens se rencontrent et décident d'unir leur destinée, voilà. Et j'ai beaucoup de personnes que je suis, que j'accompagne, qui ont pas mal de petits troubles dans le foyer. Ah, merci Aaron, merci. Mais vous savez, non, ça peut encore me piquer, je repars de l'autre côté. Parce que par rapport là, il ne faut pas qu'on perde les repères, ou bien il ne faut pas qu'il y ait trop de manquements de respect. Donc voilà. L'accompagnement, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un don de Dieu. Je peux dire que c'est un appel que j'ai reçu. Voilà. Je peux pas le nier. Je sors toujours de ma bouche des paroles pour bénir, en fait, et non pour détruire ou pour maudire. Voilà. C'est très important d'être une source de bénédiction pour la vie des gens. C'est très, très important. C'est très important de penser positif sur les personnes qui nous entourent, d'essayer d'apporter son grain de sel. Parce que tu ne peux pas être insensible ou indifférent à la nécessité d'allumer une lumière dans quelque chose, dans une vie, dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, familiale ou quoi. Si tu peux amener ton grain de sel, pourquoi pas? Parce que des fois, Dieu nous met à la brèche, il nous met à côté pour qu'on puisse non, faire quelque chose ou impacter ou donner notre point. Voilà. Donc, à la demande de beaucoup de personnes, surtout demeurer mariée, c'est un mythe, c'est quelque chose. Les gens aiment beaucoup ma phrase, terriblement et gravement mariée, compte le demeurer et travaille pour le demeurer. Pourquoi je dis toujours ça? Parce que vous savez, nous tous ici-bas, les mariages n'arrivent pas toujours jusqu'à leur fin. C'est-à-dire que la longueur de vie d'un mariage, personne ne peut la déterminer. C'est le travail qu'on fait, chemin faisant dans la relation, qui permet de donner une longueur de vie et tout et tout. Donc voilà. Bonjour mon fils Stanislas, ça fait longtemps, comment tu vas? Donc
Ça fait que j'ai vraiment à cœur d'avoir des petites capsules avec toi. Mais pour ce qui est de l'accompagnement proprement dit, ça, il faut vraiment m'appeler parce que c'est du cas par cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pour tel, il y a des choses qui fonctionnent pour d'autres personnes. Donc, ce n'est pas pour tout le monde la même chose. Donc, demeurer marié, c'est un travail en soi. J'ai un appel, mais je vais rappeler la personne après. Demeurer marié, c'est un travail en soi. C'est vraiment quelque chose que on ne peut pas. C'est pas coulé sur le béton, c'est tous les jours qu'on travaille, c'est tous les jours qu'on travaille pour le demeurer. Terriblement marié, oui, le mot terrible, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est un mot assez pour montrer quelque chose de fort, de violent, de méchant, de je sais pas quoi. Mais c'est pour dire que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que mairie, église, dot, mais vraiment à fond dedans, quoi. Voilà. C'est un thème pour réveiller. Quand on dit terriblement, tu te réveilles d'abord, je te dis, mais attends. Ouais, de motivational speaker. Bonjour, ma belle Aïda. Oh, j'étais contente de faire ta connaissance au casino de Montréal. Ça fait vraiment longtemps, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Terriblement, c'est vraiment avec fracas. Ça dit que gravement, ça dit que vous. T'sais, pas les choses qu'on parle là, que bon, aide-moi à rester ou bien en parlant, on dit non, l'autre, ça dit que derrière la fenêtre, tu te mets par rapport à le gars, par rapport à vous, vous faites vos choses au quartier, ça c'est tondeur. Donc, terriblement, veut dire que mairie, église, devant toute la famille, au moins 500 personnes, 1000 personnes, comme vous voulez quoi. Donc, voilà. Amen, contente de savoir que tu vas bien, mon fils Raoul. Alors. Donc, je voulais échanger avec toi pour le demeurer. Parce que demeurer, il faut, le tout n'est pas de se marier. Hein. Il y a des gens qui se marient pour leur copine. Il y a des gens qui se marient pour qu'au quartier, on dit qu'elle n'est plus célibataire. Elle est finalement mariée. Mais il y a des gens. Waouh, merci. Ouais, t'as pas su que c'était moi. Aïe, ouais. Je suis. Sans fond de teint, juste un gloss que j'ai mis aux lèvres, naturel. J'ai mis juste mes lunettes de lecture parce que je peux pas lire. Tu as failli traverser mon direct. Oh, merci. Oui, le mariage aussi finit parfois. Non, malgré tout ce que tu dis. Effectivement, Vanessa, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il dure? Pourquoi il dure? Pourquoi il dure? C'est nous qui faisons qui dure. Ce n'est pas. On ne se marie pas, puis on croise les bras, et puis c'est bon, ça va durer. Non, 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 non. Parce que vous savez, hein, tout finit. Ma tante dit toujours, disait, ma tante, elle vit encore, ma tante dit toujours, tout ce qui regarde en bas finit par tomber. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Il y en a qui finissent quand c'est la mort, il y en a qui se séparent par rapport aux différents problèmes, il y en a qui se séparent par rapport au choc, tout ce qu'ils reçoivent dans leur vie selon la relation qu'ils ont bâtie. Mais il y a un travail de longue haleine. Oui, bon boulot, mon fils Sanisla. Bon boulot. T'es vraiment trop belle. Merci. Merci. En fait, je suis venue naturelle. Hein. Le maquillage et tout, vous savez, c'est pas mon truc. Hein. Donc, c'est trop de travail. Moi, je trouve que ça prend le temps. Donc, demeurer. Demeurer est un travail de longue haleine. Je vais vous donner les choses qui permettent de demeurer long, longtemps. Long, longtemps. Il y a des petits trucs, hein. Il y a des petits trucs qu'il faut vraiment travailler dessus. Tous les jours, on l'aide. On l'aide, il faut travailler dessus. D'abord, dans un premier temps, surtout nous, en Occident, même en Afrique, oui, après 25 ans, oui, parce que chaque jour dans le mariage, on ne cesse de surprendre. Ça dit qu'on ne cesse de découvrir son partenaire. Il n'y a rien qui est coulé sous le béton, ça je vous le dis. Et il ne faut pas s'enorgueillir, il ne faut pas se vanter. Oh, je suis mariée, et puis ça y est. Non, il y a du boulot. Il y a du boulot à tous les niveaux. C'est comme si chaque matin, quand tu te lèves, tu arroses ta plante. C'est comme ça que tu dois arroser ton foyer. Pas compliqué. Ça dit que chaque matin, tu dois dire, ok, comme hier, on s'est pris la tête pour telle chose, par rapport, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Et vice-versa. Si tu vois que l'autre partenaire ne travaille pas, ne te mets pas à dire qu'il. Il faut te dire que moi, je travaille et je vais être le mirage. C'est-à-dire quand il va voir que moi, je fais ça, il va dire, hé, l'angala, elle ne peut même pas lui faire ça. De toute façon, elle fait comme ça, là. Il va seulement s'ajuster, quoi. C'est important. C'est important. Donc, moi-même, j'en connais des couples après 30 ans qui se sont séparés parce que elle a beaucoup, la dame ou le monsieur, l'un a beaucoup enduré, puis après, c'était trop plein. Parfois aussi, c'est pour découvrir autre chose parce que, bon, peut-être il n'y avait plus de piquant, peut-être il n'y avait plus de stimulé, il n'y avait plus rien, puis on se dit, ah, puis quelqu'un redécouvre sa jeunesse dans sa cinquantaine ou je ne sais pas quoi, puis décide de, you know, rouler au lait, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup, Georges, Daniel, merci pour les cœurs.
pour qu'un mariage dure, il n'y a pas d'astuce particulière. Le Saint-Secret, c'est mettre Dieu dans ton foyer et le reste va. Oui, Vanessa, Dieu, oui, mais tu as du boulot à faire, ma chérie. Le reste va couler. Dieu. Moi, je connais des couples, hein, et ils n'avaient pas le Seigneur dans leur vie. Ils n'étaient même pas born again ou catholique ou quoi, pas pratiquant. Puis la femme, un jour, a découvert l'église. Elle est partie. Puis on lui dit, il faut jeûner, il faut prier. Maintenant, le matin, qu'elle se levait, c'était sur son mari qu'elle priait. Le mariage est fini. Pourtant, elle a eu Dieu. Donc, il ne faut pas juste dire Dieu et puis tu crois que tu vas croiser les bras. Il y a un travail de tous les jours. Dieu même, pour qu'il t'aide, là, il faut d'abord. Il y a un dicton qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, tu n'as pas de boulot à faire. Vous voyez, non. Vous voyez, non. Donc, c'est très, très important. Donc, il faut travailler aux solutions des problèmes. Je m'explique. Les gros problèmes qui minent le foyer, les géants problèmes gigantesques, le plus gros même de la société actuelle, c'est les finances. C'est les finances. Hello, ma Glory Chou, comment tu vas, beauté? C'est les finances. J'ai dit les finances. Les finances, c'est le diable. L'argent. Money. L'argent, c'est ça le diable. Donc, si vous obtenez une délivrance dans les finances, j'ai dit une grande délivrance dans les finances, tu vas amener ton foyer jusqu'à la fin de tes jours sans problème. Mais si tu es genre longs yeux là, que non, ni, non, ni, non, ni, c'est ça qui va venir gâter ton foyer. Le finance, l'argent. L'argent. Donc, tu as divorcé après 18 mois de mariage, mais je suis avec lui maintenant, l'amour est plus qu'avant. Ah oui, hein. Ah, ok, donc vous avez trouvé ce qui n'a pas fonctionné. Oui, je vais te dire ceux qui divorcent très vite là. Le divorce après 18 mois, c'est que tu es quelqu'un de. C'est-à-dire, toi, tu ne prends pas sur toi les choses. Tu dis, bon, ok, moi, c'est bon là. Salut, bonjour, comme un guichet automatique. C'est correct. Et puis, tu te sépares parce qu'il n'y a personne qui doit être en prison. Une relation de couple dans la prison, c'est pas bon. Moi, je dis, ça mine l'existence. Tu vois quelqu'un avec les rides, tu vois quelqu'un est toujours meurtri dans sa chair, toujours en train de faire 400 coups, les coups fourrés. Donc, il faut vraiment, vraiment être brisé dans les finances. Et le brisonnement, ce n'est que Dieu qui le fait. Comment Dieu fait pour te briser dans les finances? Dieu, pour te briser dans les finances, te fait simplifier les choses, te fait ne pas accorder l'importance au matériel, te fait comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. Tu sais, t'as beau avoir 10 millions, 100 millions, mais que tu saches que du jour au lendemain, 10 millions, 100 millions, c'est un touchement, c'est pour utiliser, pour faire les choses, mais avec ou sans ça, you know, que tu sois au-dessus du matériel. C'est ça, le brisement dans les finances, c'est apprendre à être au-dessus du matériel, ne pas attacher son cœur sur les choses de la terre. Quand tu reçois ce besoin, t'as dit, tu peux avoir une Lamborghini, tu peux avoir, je sais pas, tu peux être, parce que surtout nous les femmes, avec notre grande gueule, quand nous avons, bonjour ma bimbi, quand nous avons un plus gros salaire que l'homme, nous touchons plus d'argent, nous avons plus, you know, les femmes, surtout les femmes très entreprenantes et tout, et quand nous venons maintenant chez un homme genre qui est peut-être moins salarié que nous, c'est vraiment comme, oh, il n'a même pas beaucoup d'argent. Hein. De toute façon, s'il fait même ceci, moi je m'en vais. Hein. D'ailleurs, j'ai même mon argent, je sais si. Brisement dans les finances, c'est important. Brisement, bisous ma chérie, bisous beauté. Bye bye. Brisement dans les finances, c'est important. C'est d'abord les finances. Je vous dis que l'Amérique, l'Occident, le Cameroun, l'Afrique, partout là, c'est les finances. Dès que les finances, tu es brisé, que tu dis que moi là, je m'en fous. Moi, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Ils se séparent pourquoi? Le mari, parce que c'est la rentrée scolaire, on va déjà vers la rentrée scolaire. Vous savez, nous, on a des familles en Afrique. Il y en a qui ont des rentrées scolaires à faire dans leur famille respective, que ce soit la famille de l'homme, que ce soit la famille de la femme en Afrique. C'est-à-dire les cousins, les tantes, les frères, je ne sais pas quoi. Donc, quand c'est la rentrée scolaire, peut-être dans la famille de la femme, tout le monde est déjà en bain. Tout le monde a déjà voyagé ou tout le monde est déjà assis. Dans la famille de l'homme, il y a des gens qui sont dans le besoin. Le monsieur va envoyer. Ouais. Le monsieur va envoyer l'argent à sa famille, à quelqu'un de sa famille pour la rentrée scolaire. C'est ce que moi j'ai une dame qui me dit, s'il envoie à sa famille, il doit aussi envoyer à la mienne. Je lui dis, est-ce que Oui, tu vas écouter en différé, ma chérie. C'est rien, ça n'a rien à voir avec le clash. Parce qu'il faut qu'on passe aux choses importantes. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc c'est important qu'on essaye de s'outiller pour pouvoir, you know, faire perdurer nos relations. On est fatigué des divorces. Là, chez nous, les terriblement mariés, le divorce est proscrit, quoi. On travaille aux solutions des problèmes. Voilà. Donc,
quand il va envoyer à sa soeur, à sa cousine ou à sa petite soeur ou quoi, parce que peut-être chez eux, il y a plus de gens, sa famille est nombreuse ou je sais pas quoi. Tu vois, la femme va dire que s'il envoie, il va aussi envoyer chez nous. Or, chez elle, peut-être ils sont que deux et tout le monde est en bain. Parce que vous me cherchez une cousine au village, alors s'il doit seulement envoyer, arrêtez l'égalité des choses. Arrêtez les. Dieu n'a pas mesuré les gens dans la même boîte de mesure, le même sicalicope. Tu vois, le sicalicope, non, la boîte de sardines, qu'on mesure le riz, on mesure la boîte standard, là. Ce n'est pas dans la même boîte que nous sommes tous mesurés. Donc, il ne faut pas trop faire les choses par défi. Parce que le mariage, ce n'est pas le défi. You know. C'est des concessions, comme quelqu'un a écrit tout à l'heure. C'est travailler ensemble aux solutions des problèmes et vraiment aux solutions des problèmes. Et il y aura toujours des problèmes. Tu avais ton frère, tu as des problèmes. Tu avais ta soeur, tu as des problèmes. Tu avais ta mère, tu as des problèmes. Ton père, tes cousins, tes cousines. Donc, ce n'est pas dans le mariage que tu n'auras pas. Donc, il faut arrêter les choses de mesurer. S'il a fait comme ça à son frère, il doit aussi faire comme ça à mon frère. Même si ton frère a tout, hein, tu vois, quelqu'un, tu vas seulement envoyer. Ça devient comme si tu es seulement un défi ou bien un mot de baratte avec lui. Donc, ça, c'est une chose. Voilà quelqu'un qui dit on divorce parce qu'on ne s'aime plus, on s'aime plus, l'argent, etc. Non, c'est le manque de respect qui nous pousse à divorcer. Le manque de respect arrive pourquoi? Parce qu'il faut toujours voir les causes à effet. C'est parce qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Et soyez vraiment honnête avec vous-même. Ne faites pas du genre, parce que quand vous venez dans une situation conflictuelle de couple, quand vous voulez le régler, vous allez voir qu'on va toujours dire que la faute est à l'autre. Quand tu vas écouter le mari, sa version ne sera jamais la version de la femme. Mais le fait est que la bagarre a eu lieu hier à 17h. Mais la bagarre de hier à 17h que tu viens de chercher là, le mari pour lui, il te raconte une chose, peut-être un peu pas le mal, elle me manque de respect, elle avait dit ceci à ma mère. Ça là, c'est passé il y a 2 ans. Hein. La femme aussi dit que non, c'est parce qu'il est toujours comme ça, il me traite de pauvre, il dit que ma famille, que je suis venue ici pour. Donc, ce n'est pas la. Oh, la bagarre qui était sur le couteau, qu'on devait couper la tranche et que le pain là, c'était pour moi, a fait que. Donc, vraiment, sans vous mentir, il faut toujours voir la raison. Pourquoi ce souci? Et être honnête avec soi-même. Vous voyez, non. Être honnête avec soi-même. Oui, quand c'est le japapi, Amine. Oui, je sais, je sais, je sais déjà comment ça marche la toilette. Si je veux le japap, je sais comment je vais faire. Mais je ne peux pas amener 1000 personnes et après changer pour parler des choses importantes. Si vous voulez, on fait un essai. Je commence à faire, je bouge comme ça, mes lèvres commencent à insulter. Vous voyez, ils vont arriver et dès que je vais changer pour parler des choses importantes, ils vont partir. Malheureusement, c'est comme ça la toile. Hein. Écoutez, on prend la toile comme elle est. Voilà. Donc. Oui, c'est pas une fin en soi, ça je suis d'accord, mais c'est un engagement personnel, c'est-à-dire tu dis devant Dieu, devant les hommes que tu t'engages à prendre tel monsieur ou telle madame et faire de lui ton épouse, ton mari, de l'accompagner dans les bons, les mauvais jours, gna gna gna, tous les récits qu'on fait. Mais sauf que c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas avec la bouche, là, c'est le brisement. L'argent, 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 toujours l'argent, le diable, il faut être brisé dessus. Une fois que tu es brisé dans les finances, ça veut dire que tu vas plus t'arrêter sur des petites choses. Le Seigneur va te montrer que, est-ce que c'est seulement l'argent qui fait ton foyer? Tu as dit non. Est-ce que c'est seulement l'argent qui permet que tu respires tous les matins? Non. Est-ce que c'est seulement l'argent qui te permet de, you know, de sourire? Non. Est-ce que c'est. Donc, au finish, tu vas comprendre que ça prend bien plus que ça. Et vous savez, parce qu'il y a des sœurs ou des frères qui se regardent autour d'eux et disent, ah, Jean-Jacques est marié, Aurélie, Marie, Agnès, tout ça. Et ils disent, moi aussi, il faut que je me marie. Et puis, ils sautent sur le premier venu, pam, pam, ils se marient. Puis, c'est la misère, la souffrance. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'amour. C'est l'enfer. Ça dit que, mais ils regardent derrière lui, ils disent, mon Dieu, si je divorce, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, du coup, il est obligé de tenir. C'est pas facile, c'est jamais facile. C'est jamais facile le mariage, ça je vous le dis sincèrement. C'est jamais facile. Il y a un travail à faire, un travail de longue haleine. Pardon, ne m'appelez pas pardon. Ouais, je suis en direct, ne m'appelez pas. Il faut mourir en soi pour que l'autre existe. C'est ça, la relation de couple. Mourir en soi pour que l'autre existe, c'est très difficile. Nous nous aimons trop, right? Chacun s'aime beaucoup. C'est-à-dire que chacun s'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'aime beaucoup au point où mourir en soi pour que l'autre existe, c'est très difficile. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de relations n'arrivent pas jusqu'au bout. Parce que justement, l'orgueil, l'ego. Pourquoi il m'a dit ça? Ça veut dire que quoi? Ils sortent d'une famille ceci. Oh, chez eux, c'est comme ça. Il y a toujours les e. Je vais te définir c'est quoi le mariage dans le sens étymologique du terme. Dans le sens étymologique du terme.
Oui, avant d'aller devant le maire, il faut réfléchir 1000 fois. Oui, je suis d'accord. Mais même 1000 fois, on réfléchit, on n'est toujours pas sûr. Hein. Est-ce que tu sais que la veille, même tu as encore te dit que c'est même quelle histoire? Le jour là, même tu as encore te dit c'est même quelle histoire? Parfois, tu arrives même devant la maire, le maire, tu vois ton cœur fait poum, 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 tu dis que l'affaire, c'est même qu'elle m'avait dedans là, hé, hey, maman. Donc, il faut, le sens étymologique du mariage, c'est que l'homme, la Bible même le dit, quittera sa famille, il s'unira à sa femme, ils formeront une seule chair. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ça veut dire quoi? Lui, c'est toi, toi, c'est lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'en vas quelque part ou tu t'en vas dans un milieu où on est en train de l'insulter, lui, et que tu embarques, ça veut dire que tu t'insultes toi. Si tu vas dans un milieu où on l'insulte, elle, et que toi, tu embarques, ça veut dire que tu t'insultes. Où on l'insulte, elle, et toi, l'homme, tu embarques, ça veut dire que tu t'insultes toi. Si tu vas où on l'insulte, lui, toi, tu embarques la femme, ça veut dire que tu t'insultes toi. Donc, former une seule chair. Lui, c'est toi, toi, c'est lui. C'est ça la définition dans le sens étymologique du mariage. Donc, tu protèges mon derrière, je protège ton derrière. C'est comme ça. Donc, tu ne vas jamais permettre que ce soit le frère, la soeur, la mère de ton mari ou de ta femme s'asseye devant toi et manque de respect à la personne que tu as choisi de former une chair. Parce que lui, c'est toi, toi, c'est lui. Hein. C'est un. Une bouche, une chair. Même si vous ne vous accordez pas dans certaines choses, mais c'est qu'il faut que tu protèges son bac comme il protège ton bac. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, franchement, la seule chose qui peut te faire divorcer... Attends, il y a une qui dit la seule chose. Merci. Ce qui peut me faire divorcer, c'est un enfant fait derrière mon dos. Mais si c'est pour le finance, nous devons se soutenir dans les hauts et les bas moments de la vie. Oui, chacun a son plafond. Ça là, c'est pour chacun. D'autres personnes vont te dire, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un enfant. Il y en a qui ont cherché à avoir des enfants et n'ont pas pu. Donc, s'il a eu des hauts, elle va dire, ok, bienvenue à la maison, c'est correct. Tu es une bien... Oh, merci, merci, merci beaucoup. Merci, Mayoyette. La religion peut séparer les gens qu'on ne l'a pas bien assimilé, qu'on ne l'a pas bien adapté à notre couple. Regarde, on est né catholique, on se marie catholique, puis ta femme va ou l'homme va, il découvre Born Again. Quand il découvre maintenant Born Again, qu'est-ce qui se passe? Il entre maintenant dans Born Again. Parfois, il est dompté, on peut le dompter, on peut entrer. Ça dit que là-bas, il trouve soit les saints en Christ, parce qu'il y a souvent les leaders ou les saints en Christ, ou les pasteurs, je ne sais pas, la pasteur ou la femme du pasteur, ou le pasteur lui-même, qui rentre dans sa vie et lui fait savoir que l'homme a fait ceci, nanana, nanana. Donc, ça dépend, ça dépend. Je dis, le travail à faire, c'est à l'intérieur de toi, même pas de l'autre. Parce que tu as toujours vu des couples où il dit, il a fait ceci, il a fait cela. Donc toi, tu ne fais jamais rien, quoi. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Il faut que tu dises que moi, j'ai fait ceci. Moi, ramène la question à toi. Ok, comme il a fait ceci, qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que j'avais le droit de le faire? Est-ce qu'il fallait que j'agisse comme ça? Je ne pense pas. Quand tu commences à mettre le message « je » et tu t'adresses qu'à toi, sans t'adresser à lui, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il fait toujours ceci, il fait toujours cela. Il faut que tu vois aussi que moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Parce qu'il a fait ceci, j'ai fait ceci. Est-ce que j'avais le droit de faire cela? Est-ce que j'en ai parlé avec lui? Parce qu'il y a des couples ou des relations où ils ne discutent pas entre eux. Ils sautent seulement et commencent à poser des actions, genre, des actes, genre, dans le non-verbal, on boude, on machin, nanana. Donc, vraiment, moi, je pense que le divorce, c'est la lâcheté. Moi, je dis c'est la lâcheté parce que il faut affronter comme on affronte la vie. Regarde, les gens perdent leur emploi, perdent les personnes chères. Il y en a qui perdent leurs enfants, perdent je sais pas moi, leur travail, leur maison, beaucoup de choses, vous comprenez? Perdent leur... Du jour au lendemain, tout s'envole. Surtout en Afrique, là. Si c'était en Afrique, comme moi, ma maison a passé au feu. Si c'était en Afrique, vous savez, j'ai tout perdu, là. Donc, il y a des gens. Il y en a ici. Moi, j'ai une amie ici. Elle avait sa maison qui a passé au feu. Elle n'avait pas d'assurance. Elle a tout recommencé à zéro. Mais elle est là. Elle est debout. Et si vous la voyez, elle est pleine de vie. Donc, c'est pour dire que on perd tellement de choses que venir divorcer, tout simplement, c'est lâche. C'est lâche, c'est lâche, c'est lâche. Bon, Loulou, tu dis si la famille s'interpose. C'est pour ça que je dis que si la famille s'interpose et l'un des conjoints accepte, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de s'engager. Parce que c'est pour ça que c'est parfois bien de faire des cours de préparation au mariage avant le mariage. Pour qu'on te définisse dans quoi tu es en train de t'embarquer. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté dedans pour mettre la belle robe blanche, pour faire la grande fête avec le buffet et tout ça. Parce que peut-être depuis qu'ils sont nés, même un anniversaire, ils n'ont pas célébré. Pour que des gens viennent pour eux. Mais après, le lendemain, ils se réveillent comme à pleurer. Oh, qu'est-ce que je viens de faire et tout et tout et tout.
Sexuellement, peut-être il n'est pas satisfait. Au niveau de la communication, peut-être c'est le mépris de l'un et de l'autre. Peut-être l'autre qui s'adresse à l'autre comme un animal. Aucun respect et tout. Et maintenant, la famille qui s'y mêle. Parce qu'il y a des familles qui viennent dire, non, mon frère ne mérite pas. Elle ne mérite pas mon frère ou bien il ne mérite pas ma soeur. Gna, 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 gna. Comme si c'est eux qui vont aller vivre dans la maison avec vous. Regardez quand vous vous mariez. Le jour, la période, le week-end du mariage, tout le monde est là. Tout le monde, les gens viennent de partout. Si c'est en Afrique, si c'est même ici en Occident, les copines, les gens voyagent et tout. Maman, quand le mariage est fini là, le lendemain, même si vous êtes à l'hôtel, lune de miel, tout ce que tu veux, vous êtes deux places. Hein, deux places face à face. Donc, tu respires sa respiration, il respire pour toi, vous êtes là. Donc, vous devez maintenant comment dire, commencez maintenant à faire votre vie, vous deux. Donc, la famille qui parle là, ça prend du cran. C'est-à-dire qu'il faut que, il est temps que les gens, c'est-à-dire individuellement, prennent du cran pour empêcher qu'on vienne rentrer dans leur relation. Parce que si tu veux bâtir sur du roc et du solide et que tu laisses ta famille rentrer, ah, that is up to you, c'est ton problème. Parce qu'il y en a, il y a des hommes ou des femmes qui travaillent comme ça pour trouver l'âme, comment dire, l'âme sœur, pour trouver la chaussure à son pied, pour trouver celle qui le convient. Et parfois tu tombes sur ça et la famille vient commencer à faire les tchakalababobé, commence à rentrer. Ouais, elle a fait comme ça. Ouais, elle s'habille pas bien. Ouais, elle n'est pas belle. Ouais, elle n'est pas sexy. Ouais, elle a monté. Ils commencent à parler comme si c'est eux qui vont venir vivre avec toi. Alors, donc moi je dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais il faut travailler tous les jours. Je dis bien. Tous les jours, sur chaque chose, chaque petite chose. Ça dit que même quand ta bouche vient à sortir, tu te dis qu'est-ce qu'elle va encore verser ici maintenant, maman, est-ce que ça là même ça vaut la peine? Tu passes dessus, mais trouve toujours des moyens propices. L'homme fait toujours ce que la femme veut. Attends, il y a une qui n'est pas d'accord. Attends, l'homme fait toujours ce que la femme veut. Il suffit de savoir comment vous le lui demandez. C'est très important. Alors, j'ai une personne qui dit quelque chose de pertinent. Non, je ne suis pas d'accord pour ton point de vue où tu dis le divorce est lâche. Si dans un couple, le manque de respect persiste encore, les infidélités, mieux divorcer, point. Il ne faut pas être malheureux. Voilà, ma chérie. C'est pour ça que je t'explique que c'est lâche dans le sens ou quoi. Parce qu'il y a divorce et divorce. Il y a des femmes qui subissent des violences. Des violences, quand je dis violence, quand on la tape, elle est ensanglantée, comme on dit femme battue, hein. Ou des hommes aussi qui subissent, hein. Faut pas oublier, on tape aussi les hommes, hein. Ça là, je vous l'ai dit déjà. Voilà, le mariage, c'est deux personnes, très important. Moi, je ne dis pas que c'est lâche dans tous les cas, vous savez que dans chaque cas de figure, il y a, dans chaque situation, il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire, je m'explique, quand ça commence à être un mépris, où tu perds ta dignité, où tu es mal dans ta chair, où matin, midi, soir. Tu sais, il y a des couples où, aujourd'hui, par exemple, le mari ne va pas aller travailler, la femme est là, oh, le salaud, il va être à la maison aujourd'hui, oh, ça m'énerve. Et, oui, notre mère, terriblement mariée, quand le demain, oui, terriblement, maman, le goût de ça. Parfois, il y a aussi la femme qui ne va pas travailler, dit, oh, il est à la maison aujourd'hui. Ils sont même allés rester dans sa voiture en bas tellement, il n'a même pas le goût de voir sa figure. Il y a ces cas-là, parce que c'est déjà un mépris, un rejet. On ne peut plus supporter la présence de l'autre. Ça veut dire qu'il faut soit prendre un rendez-vous avec son homme ou sa femme. Quand je dis un rendez-vous, mais un vrai rendez-vous. Hein, et aller vous asseoir et dire que papa, aujourd'hui là non, toi puis moi. Et on commence à prendre les choses. Écris même sur le papier si tu veux. Vous débattez point par point, calmement. Pas besoin de crier, parce que je vous ai dit que tout ce qu'on fait en criant, on ne s'entend plus. On est plus dans la colère. Ça devient que c'est le hanga qui prend le dessus. Et quand la colère prend le dessus, on finit par se porter main. C'est-à-dire que, tais-toi, tu parles à qui comme ça? Va là-bas, feignant, chien. Et puis ça commence à clat de voix. Et puis on couvre à partir pour celui qui n'arrive pas à maîtriser ou à se retenir des paroles qu'on lui lance. Ça peut être et la femme et l'homme. Il y en a qui sont fortes, hein. Donc, il y a des femmes qui dosent les hommes. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement d'un côté. Donc, ça fait que ce n'est pas... Ça dit, je n'ai pas dit que reste même si c'est mauvais, non. Mais travaille pour améliorer jusqu'à... Ça dit, donne ton dernier, comment on dit, ton 100%, ton dernier point avant de dire bien que... Avant de dire que, ok, moi, c'est bon. Moi, il ne peut plus. J'ai tout donné. J'ai essayé. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Et maman, le gars, là, veut seulement ma peau, quoi. Ou la fille, là, veut seulement que je meure, quoi. Là, tu dis maintenant que, ok, c'est bon. Moi, maintenant, hein, je prends la poudre de l'escapade. Au moins, tu auras essayé. Ne pas perdre. N'arrive pas au quartier où tu es parti. Tu as pris toutes tes affaires chez tes parents. Et tu dis que, ouais, peut-être si je lui avais dit comme ça, ça allait faire ceci. Tu commences à dire les peut-être, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait en battant. Il faut que quand tu pars, hein, c'est que hein, j'ai essayé ça n'a pas fonctionné. Maintenant, c'est bon. La plupart des temps, c'est toujours la belle famille qui a des projets toxiques en plus des baisses. Oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est parce que le mari ou la femme a donné cette,
cette fenêtre-là. Il a donné cette mainmise, cette liberté à ces gens de venir s'exprimer dans sa relation. Vous allez remarquer que c'est important de ne pas rentrer dans les relations des frères et sœurs, des sœurs, des tantes, des oncles, des ceci. Parce que c'est l'affaire de deux places. C'est pas l'affaire de trois places. Quand bien même tu viens faire une médiation dans une relation de couple qui bat de l'aile, même si ce sont tes amis, tes connaissances, il faut user de tact. Premièrement, tu ne juges personne parce que les faits et les gestes, chacun les raconte à sa façon. Tu vas voir que la version n'est jamais la même. Si tu vas parler avec le mari, ça je suis certaine, quand tu vas parler à la femme, ce n'est pas le même point qu'ils ont sur ça. Et ils sont restés séparés et ils sont bien fâchés les deux. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça que je dis que ce qui fait mal à l'un ne fait pas forcément mal à l'autre. Il y a des femmes battues qui aiment qu'on les batte et elles disent que c'est comme ça veut dire qu'on les aime. Et elles sont, elles, dans leur mari calé. Ça veut dire que quand elle fait, il y a les problèmes, on la tape, elle est à l'aise. Elle sait que donc ça veut dire qu'il l'aime. Il y a d'autres que gifle seulement, elle divorce, ça veut dire que c'est fini, que tu oses. Il y a d'autres que mouf, ça fait qu'elle divorce. Il y a d'autres que mouf, imbécile chien, imbécile ta mère, tout, elle est là. Donc ça veut dire que c'est, on est vraiment fait différent. Vous voyez, non? On est vraiment fait différent. Et ce qui peut faire mal un jour ne peut pas faire mal l'autre jour. Tu sais, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit l'homme est divers, pervers, ondoyant. Donc, ça change, ça varie. Ça dépend de comment tu t'es levé le matin, ça dépend de l'humeur que tu as. Moi, le couple, c'est deux points. Le mariage à la mairie, deux témoins plus vite invité plus mon homme. C'est tout. C'est un choix, ma chérie. Parce que c'est aussi les dépenses. Tous les gros invités, c'est beaucoup de dépenses. Ne quitte pas ton mari pour ce que sa famille dit. Ça, c'est très important, ma chérie, parce que tu n'as pas marié sa famille, tu as marié ton mari. C'est très important. Le mariage, c'est deux places. Parce qu'il y a des gens dans sa famille qui sont jaloux de vous voir ensemble, ça peut arriver. Il y a des gens dans ta famille aussi qui sont jaloux de vous voir. Parce que même ta famille peut te monter. Hein. Et il y a un truc aussi très clé que j'aime bien dire à mes personnes que j'accompagne, c'est de ne pas rendre compte à sa famille des détails de ce qui se passe dans ton foyer, parce que c'est très important. Si par exemple vous êtes dans une situation de conflit avec ton mari, une dispute ou un, et vous êtes incompris, vous êtes en train de tenir debout, que vous tirez, si tu vas dire à ton frère ou à ta soeur, voici ce qui m'a fait, le jour que ton frère ou ta soeur va le voir, elle va le regarder d'un nez. C'est normal, parce que c'est ta soeur. Qu'est-ce que tu veux? Elle doit te protéger. Donc par rapport, elle va commencer à dire que le salaire, si même là, il manque de respect à ma soeur. Si tu dis même par exemple que c'est moi qui paye tout, si tu dis, ah, c'est un mendiant, il veut manger les dos de ma soeur. Or, dans un mariage, un coup l'autre peut travailler et payer un coup l'autre, parce que c'est bon et mauvais. Si tu tombes malade, par exemple, tu es invalide, l'autre, ton mari doit travailler pour te nourrir, ou ta femme, c'est-à-dire si c'est le mari qui est invalide, doit travailler pour le nourrir, c'est le meilleur et le pire. Mais si tu vas dire à ta famille ce qui se passe sous ton toit, ma chérie, ne sois pas surpris qu'un jour ton frère vient se mettre en position pour le boxer s'il t'a tapé, ou ta soeur vient se mettre en position pour l'insulter, même en route. Et puis, tu te dis, ne viens pas chez moi, elle va se mettre même en route, elle va dire, imbécile feignant, depuis que tu m'as l'argent de ma soeur, nanani, nanana. C'est comme ça, c'est, les familles sont comme ça. Donc, les problèmes de ton foyer, si vraiment les problèmes de ton foyer, débat ça avec le concerné, deux places. Tu t'assois, tu dis que je ne suis pas contente. Tu m'as fait ceci. Si tu vois que les éclats de voix sont faux, tu attends quand ça se calme. Quand ça se calme, tu viens t'asseoir calmement avec même le bic et la feuille. Tu écris, je ne suis pas contente, je ne suis. Parce que quand tu parles de tes bébés à ta famille, c'est normal. C'est normal que ta famille saute. Vous pouvez savoir comment moi je retiens ma famille de même pas venir sur Facebook sur les tant de choses que je vis. Parce que si ma famille entre dedans, ils sont là. Hein. Je dis seulement pardon, laissez, c'est mes choses là-bas, pardon. Laissez, je vais gérer. Parce que si tu laisses ta famille entrer, vous allez seulement voir comment quelqu'un va se lever un matin, faire seulement la vidéo, dire je suis le frère ou la soeur de tel. Je viens vous dire qu'un bécis chien de. C'est normal, c'est ta famille. Ta famille veut seulement que tu sois à l'aise. Ta famille veut seulement que tu sois à l'aise. Il n'y a rien que tu dois manquer. Il n'y a rien qui doit te déranger. Même comme eux, ils préfèrent que c'est eux qui te dérangent. Dans ta famille, tu peux avoir des problèmes. C'est-à-dire que ton frère, ta soeur, ils te font les problèmes. Ils ne veulent pas qu'un passant vienne te faire des problèmes. Je vous dis, quand ça devient passé, mais le short. Comment dire, comment se m'embagarrer? Oui. I'm telling you. Bonjour, ma belle dame Nelly. Comment tu vas? Ouais, Kenya, on n'est pas sur ça aujourd'hui. On a un peu changé de cap. Là, on essaye de parler des choses importantes. Ouais, il y a quand même les gens. Merci. Merci de me suivre. Merci, mes étals de followers. Tous les jours, ça va toujours être pour parler des choses qui nous retardent, en fait, qui nous tirent la patte vers l'arrière. On doit avancer. On a beaucoup de choses à se dire. On doit apprendre. On doit se serrer les coudes et on doit avancer. Vous voyez? On doit, voilà, mettre les petits dans les grands et avancer. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'était le point principal, comme je vous ai dit, sur le problème du mariage. C'est les finances, la communication. C'est-à-dire que c'est mieux de t'asseoir avec ton partenaire et parler ou que.
Maman, veux-tu dire de belles choses? Merci, ma chérie. Or, au lieu d'aller dire à la copine, au voisin, au frère, à la soeur, parce que c'est ça, la mère, parce que si tu dis à ta mère que ta femme te fait chier, elle ne te nourrit pas, et si et ça, ta mère aura tendance. Et maman Dang, c'est maman Dang ici. Est-ce que c'est maman Dang même? Bonjour, maman Dang. Au lieu que comment dire? Au lieu que ta soeur, t'as dit que, au lieu que ta mère, si tu dis par exemple ta mère, elle ne me fait même pas manger, ta mère aura tendance à vouloir venir cuisiner chez toi, elle venir dire à la fille, recule-toi. Toi que mon fils, je t'ai donné pour qu'il vienne mourir de faim. Parfois, les mecs sont au chômage, toi la femme, tu assumes tout. Et la belle-mère vient te traiter de mendiant alors que c'est toi qui fais tout sans le montrer. Oui, c'est qu'elle te traite, tu dois débattre avec ton mari en fait. Tout doit revenir à lui en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un truc, c'est un jeu, mon ami. C'est comme un labyrinthe. C'est pas facile. À que facile. Oui, si ta belle famille est infernale, rassure-toi d'être aimée par ton mari et tu auras gagné la bataille. Effectivement, tu dois le séduire tout le temps. Tu dois le séduire tout. Nia, pardon, excuse-moi. Nia, non, compte. Elle avait vu être trop fraîche, dis-moi. Oui, naturel, hein. Même pas un gloss. Et j'ai mis un truc aux lèvres. Parce que les lèvres, comme il fait un peu froid, c'est sa tendance à sécher. Oui, j'ai rien fait. Aucun maquillage, aucun rien. Oui, les finances. Les finances, c'est le point que. Pas seulement les hommes qui veulent tout gérer, même les familles, il y a les femmes qui veulent tout contrôler. Ça dit que quand dit François, elle dit que ça a fait comment? Ça dépend, hein, mais c'est les finances. Quand tu as la délivrance dans les finances, tu peux garder ton foyer longtemps. La communication, ne pas dormir. Oui, tu peux être fâché, tu dors sur ta colère, mais le lendemain, quand tu te lèves, c'est important que tu reviennes dessus. Je n'ai pas apprécié. Tu utilises le message je. Quand tu dis comme ça me fait me sentir comme si. C'est une façon de communiquer. Pas que tu vas venir dire que oui, c'est comme ça chez vous. Une famille de ceci, vous êtes toujours vous. Parce que quand tu veux lui parler, tu dis vous, ça l'énerve. Lui dit que vous avez les qui. Donc, du coup, ça devient encore gros. Tu dis je n'ai pas apprécié, je me sens mal, je suis frustrée, je trouve que depuis un certain temps, je ne sais pas. Je. Là, il va dire que c'est toi, sa femme, qui lui parle. Mais si tu dis dans ma famille, on dit que tu as mal fait, on a dit que oh, ça, c'est pas bon, hein, les on là, ça vient pas d'un foyer. Oh. Il faut mettre ça dehors. Oui, derrière, il te sape et devant, il vient faire semblant. Ma chérie, le derrière, là, il faut faire très attention parce que le derrière, des fois, te raconte des choses qui n'ont pas existé. C'est-à-dire qu'on te raconte des trucs qui ne sont pas vrais. Et sache que quand tu es un enfant de Dieu, je vais vous dire un truc. Quand tu es un enfant de Dieu, tu bâtis. Ah, oh, merci Edwige, merci beaucoup. Je suis en train de me refaire, me reconstruire. Ça va aller, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Quand tu es, il faut savoir que quand tu es dans ton foyer et que les gens viennent te dire des choses, on a dit que, il a dit que, il n'a pas dit que, fais très très attention. Parce que n'oublie jamais que le Seigneur révèle toujours les choses cachées à ses enfants. Ça là, c'est automatique. Ça là, je vous dis là, si tu es honnête, réglo, tu fais la chose de quelqu'un comme tu aimerais qu'on fasse pour toi. Tu es dedans, pieds et poings liés. Dieu va toucher qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour venir te dire que ma fille, tu dors l'esprit. Voici. On va te mettre tout devant toi comme un château de cartes. Je te le dis. Donc, ne cherche pas. C'est-à-dire que. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup. Comment dirais-je? Les on dit là. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir dire que tu sais qu'il a fait ceci. Oh, tu sais qu'il te trompe. Tu sais qu'elle te trompe. Elle est partie coucher là-bas. Il a fait ceci. Il y a toujours quelque chose qu'on va venir te dire. Mais ma chérie, même si tu ne fouilles pas, quand tu es l'enfant de Dieu, tu as bâti ta relation avec Dieu. Tu dis que Seigneur, j'ai décidé d'être fidèle à toi. Je suis ici pour te servir. La parole que j'avais donnée, c'est ça que je vais respecter. Maman, les choses cachées viennent de toi. Tu vas même voir un truc que tu laisses chez toi, qu'on va te dire que regarde, là voici. Elle était hier, regarde la voici qui est entrée, regarde comment ils font les bisous dans la voiture. On va te sortir toute l'histoire. Les voici, choses cachées. Et c'est comme ça même dans les relations amicales, c'est comme ça même dans les relations familiales. Fais la chose de quelqu'un comme tu veux qu'on fasse pour toi. Le Saint-Esprit, Seigneur, va toucher qui il veut, comme il veut. La vérité va venir s'étaler devant toi, suite, comme un livre doré. Et tu vas dire, hein? Donc c'était comme ça. Oui, I'm telling you, ça c'est vrai. Love you Sylvie, love you la mère bio. Oui, thank you Josie, thank you so much. Donc, comme je dis, ne cherchez pas à fouiner. Ne vous prenez pas au quartier pour fouiner parce que l'enfant de Dieu, le Seigneur, révèle toujours les choses cachées à ses enfants. Vous changez votre façon de prier.
vous changez votre porte. Tu dis, Seigneur, touche qui tu veux, confonds qui tu veux, je veux la vérité, ça va sortir. Si tu constates que ton homme se cache ses affaires, tu prends ça comment? Tu vas à la brèche, tu pries. Tu dis, Seigneur, est-ce que toi tu lui caches aussi? Parce que si toi tu lui caches, tu dis, Seigneur, regarde comment moi je lui montre tout. Moi je suis là comme ça, un livre ouvert. Eh Dieu, tu me laisses au café. Tu vas voir quand même le matin là. Le matin, il y aura quelque chose qui va venir. Gling. Je dis que tout sort. L'enfant de Dieu, le Seigneur révèle les choses. Je dis que même les relations amicales, les relations familiales, même quelqu'un qui t'a fait le grand coup fourré, demain, tu vois ça devant toi, tu dis, yeah. Donc c'est comme ça qu'il a fait. Attends, comment un homme de 38 ans, attends, à chaque fois que tu as un bébé avec lui, il va habiter chez sa petite mariée et mère d'enfant. Ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à affronter. Ça dit que parce que quand il y a un problème, si on a dit que voici notre maison, c'est ici qu'on bâtit notre famille, c'est ici qu'on va rester, qu'il y a un problème, toi tu pars. Parce que tu n'arrives pas à affronter, ou bien tu n'es pas ta communication, ça dit que tu n'arrives pas à mieux communiquer avec ton partenaire. Tu penses à tes choses, tu go. Il y a des gens comme ça, dès que ça ne va pas, hop, je m'en vais. Ok, et parfois tu vois qu'il revient encore. Donc c'est pour ça que, vous savez, c'est tout un labyrinthe, c'est compliqué. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Un mariage, c'est toute une vie. C'est l'ensemble d'une construction de trop de choses, je vous dis. Tu vois un peu. C'est un ensemble. Mina, je te dis là, je peux même manquer des bouts, mais je vous dis sincèrement, avec, parce que moi, j'accompagne les gens plutôt derrière, je n'accompagne pas les gens un peu au vu au su, mais la demande est très forte et je ne peux pas être indifférente. Comme c'est sur la nécessité d'allumer une lumière, d'accompagner mes semblables. Que ce soit homme, que ce soit femme, mon numéro c'est le plus 1 514 915 0160. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas. Comment dire, mais le Seigneur m'utilise. La sagesse, j'ai une sagesse divine qui m'incombe et qui me permet de faire, n'est-ce pas, savoir à mes semblables. Sometimes, on fait des choses un peu à la va-vite, un peu brouillon, quoi. Donc, c'est important. Je bois de l'eau. Vous comprenez, non? On fait des choses à la va-vite, on est très impulsif, on est non tolérant. Maintenant, c'est comme le guichet automatique, il dit que ça va pas, bye bye. Non, c'est la lâcheté. Asseyons-nous, redéfinissons notre relation. C'est très simple. L'autre prend la feuille, l'autre prend la feuille. J'ai fait des exercices comme ça avec les personnes que j'accompagne et je te jure, ça fonctionne. Parce que des fois, on s'assoit, il a fait comme ça, il a fait. C'est trop facile de droiter, hein. La main est tout comme ça. Et c'est la main qui fait comme ça. La main, quand on veut tendre la main, c'est comme ça. Tu vois, pas comme ça. C'est toujours. Est-ce qu'on peut tourner la main? Mais si on est toujours en train de dire, toi là, toujours en train de parler à l'autre. C'est comme ça. Comme ça. Et le Seigneur révèle les choses. Je vous dis que, oh, les choses cachées. Tu restes comme ça, non, le japa, même de ton truc, de ton dossier personnel vient sortir comme ça. Tu dis, hein? Parce qu'il touche qui il veut. Quand il veut amener la lumière à son enfant. Le mariage est bien, mais il y a des hauts et des bas. Ouais. Savoir se mettre à la hauteur de toutes circonstances. Mais n'oubliez pas de confier à Dieu car ce n'est pas un jeu. C'est jamais un jeu, Nelly. Belle dame, c'est jamais un jeu. C'est le walk. Le vrai. C'est-à-dire que travailler aux solutions des problèmes. Je dis, oh, l'aider. Tu te lèves ce matin, tu dis que bon, parfois, on devait aller faire un petit truc de ouf de l'épicerie. Un exemple. On devait aller faire l'épicerie. Juste la discussion sur l'épicerie peut devenir grosse comme ça, là, jusqu'à ce qu'on se sépare. Donc, il faut calm down. Et tu sais que oui, tu as la grosse voix, c'est toi qui parles toujours. Un moment, la gare, c'est comme si tu ne nommes même pas. Tu es chaud, tu es tranquille. Voilà, c'est très important. Merci pour les cœurs, Josie. Et il y a les fantômes dans mon direct. Bonjour les fantômes. Bonjour ceux qui regardent derrière. Bonjour ceux qui retranscrivent aussi. C'est ça, ça fait partie de mon ascension, de mon élevage, voilà. Donc, ça me tenait vraiment à cœur aujourd'hui de partager avec toi cela. Je ne sais pas s'il y a quelques questions que je réponds et tu peux me joindre au plus 1-514-915-0160. J'aimerais, n'est-ce pas, avoir un moment de qualité avec toi. C'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est un don que Dieu m'a donné et je ne peux pas rester indifférente dans ce genre de situation. Ça me fait toujours plaisir, voilà. Et oui, c'est un travail à temps plein, comme les enfants. Vous faites parfois les gens divorcent pour l'enfant.
On est en train d'aller faire des courses de la rentrée scolaire, un truc de ouf. On veut choisir le sac d'école de l'enfant. Seulement, c'est ça, un truc bête. Vous allez vouloir choisir le sac. Peut-être l'enfant veut le rose. Le rose est trop sale. Ou le blanc. Le papa dit que c'est trop sale, qu'on va laver. La maman dit qu'il faut prendre le violet. Le papa dit que bon, on va prendre le noir. Seulement sur le violet et le noir, là, vous pouvez discuter jusqu'à ce que ça devienne une affaire de ouf. Que peut-être tu avais à garder un truc avant, que tu sautes une fois sur le violet, un autre, que ça veut dire quoi? C'est comme ça que tu es. Ça devient des problèmes. Donc c'est pour dire que, maman, pardon. Oui, les prochains rendez-vous, c'est-à-dire on va avoir souvent des moments d'échange. Je ne veux pas faire plus de 20 à 30 minutes. Je ne sais pas combien de temps. Oh mon Dieu, je suis déjà à 45. Maman bavardé. Oui. Vous là, hein, j'avais dit 20, 30 minutes, je suis à 45. Vous voyez comment on s'assoit si on ne fait que parler, non? Mais je suis contente, vous êtes là, ce n'est pas un clash, mais vous êtes là en train de me suivre, ça me fait plaisir. J'espère être vraiment que le Seigneur va pouvoir m'utiliser, que je vais être un outil pour aider, parce que j'ai des personnes, j'ai des dames que j'accompagne. Elle n'a pas de soucis, elle est bien mariée, elle voulait se marier, elle est très bien mariée, toute la cérémonie, tout ce qui va avec, mais elle n'est pas heureuse. Ce n'est pas parce que son mari la trompe, ce n'est pas parce que son mari, je ne sais pas moi, a les maîtresses. Au contraire, c'est le genre de ce qui rend même là à la maison, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de stimuli. Elles sont le vide. Il y a une espèce de vide qui fait comme un fossé entre les deux et elles se sentent mal dans sa chair. Pourtant, elle est bien mariée, elle n'a pas de souci qu'il y ait une maîtresse quelque part. C'est même pas le genre de gars à courir des jupons. Mais voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a différents cas de figure et il faut qu'elle travaille pour le rapprocher d'elle, pour se sentir, you know, un peu aimée. Et puis, c'est tout. Et elle, on est en train de travailler dessus. On a comme une séance de 6 semaines par rapport à ça. Qu'on va essayer de trouver des trucs et des astuces pour le ramener, pour qu'il soit un peu attentionné. Il y a des femmes qui ont juste besoin de ça. Tu vois, elles travaillent, ils travaillent, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr qu'il y a des éclats de voix, mais c'est tolérable. Sauf que c'est le vide là qui est trop... C'est comme de fil en aiguille. C'est comme si quelqu'un de... Peut-être il est dans sa bulle. Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident. Shakira, tu veux que je reste? Bon, pose alors la question. Je vous ai donné mon numéro, hein. Donc pour celles qui ont vraiment besoin, je ne suis pas en train de blaguer, je ne suis pas en train de niaiser, d'un vrai accompagnement réel, je suis disponible, je suis vraiment disponible et ça me fait plaisir. Donc franchement, il faut qu'on passe, on s'amuse, on fait des wale wale, les wassa wassa, tout ça. Mais à un moment donné, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et l'agréable, je sais, sans l'ombre de aucun doute, que beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi nous, nous souffrons. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est là, le savoir est là. Il faut juste qu'on essaye de le pratiquer, mais avec l'orgueil, l'ego, on n'arrive pas. Donc, il faut vraiment des trucs, des petits trucs pour pouvoir, n'est-ce pas, recréer cette petite, rallumer cette flamme qui semble s'éteindre, voilà. Donc, dans beaucoup de relations de couple. Et ça, vraiment, c'est mon... C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, si tu veux... me contacter, échanger avec toi là-dessus. Et crois-moi, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que l'orgueil, les taper la main sur la poitrine, moi, jamais un homme ne peut pas me faire ça, une femme ne peut pas me faire ça. Tout ça, c'est le bruit, quoi. Il faut vraiment se calm down. You need to calm down, I'm telling you. Et de temps en temps, on va avoir des moments comme ça, de capsules de 30 minutes, 20 minutes, pas beaucoup pour ça. Mais là, j'ai dépassé parce que quand je viens avec vous, il y a tellement de... Ça prend trop de tentacules. Voilà, je vais partir. Il y en a une qui ne veut pas que je parte. Oui, oui, c'est la toute consultation, c'est gratuit. Mais après, on va voir le programme qui vous convient selon votre problématique. Et croyez-moi, le résultat y est. Et ça me fait tellement plaisir quand je vois les gens reprendre leur vie, se remettre ensemble. Parce que vous savez... La vie, à seul, on n'avance pas plus. À deux, on vit intensément. Ça, là, c'est clair. Surtout ici en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'en Occident, surtout. En Afrique encore, on peut dire seul, tu as la famille, tu as les tantes, tu as les oncles, ça ne va même pas, tu peux aller chez ta. Mais ici, tu vas aller chez qui, si c'est chaud? À deux, on vit intensément. Mais il suffit qu'il y ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la vraie communication. C'est-à-dire que message je doit être dans le foyer. Bref. On va travailler ça ensemble. Si tu es vraiment intéressé, tu peux m'appeler dans mon WhatsApp. +1 514 915 0160. C'est important. C'est important que notre passage sur terre, que c'est important que nous impactons des vies. C'est important que notre vie compte. Salut ma personne personnelle. Ma personne personnelle. Comment tu vas? Oui, quand c'est les japapes, on a beaucoup de gens, c'est vrai. Mais quand c'est quelque chose d'important, on n'a pas beaucoup de gens. Mais ce n'est pas grave. On ne veut pas la masse. On ne veut pas une multitude nombreuse. On veut juste des personnes qui ont besoin de la substance, qui ont besoin
de changer. Et c'est ainsi, avec leur changement, ils vont impacter les autres. Un beau jour, on aura 1000, 2000, 3000. Mais pour le moment, allons-y avec le petit peu que nous sommes. Mais le besoin est là. Le besoin est là. Vous comprenez? Le besoin est là. Et mes soeurs, mes frères, ouvrons les yeux. Arrêtons. C'est du gâchis. Arrêtons de gâcher notre passage sur terre. Arrêtons de gâcher ça. Ça, c'est vraiment un gros gâchis, quoi. Donc, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience, que tu calm down, que tu calm down, que tu considères ta partenaire et ton partenaire comme toi-même et qu'ensemble, c'est-à-dire ce que tu penses de bon pour toi, que tu saches que c'est ce qui est aussi bon pour lui et ensemble, vous travaillez aux solutions des problèmes. Parce que le divorce, c'est la lâcheté, crois-moi. C'est la lâcheté. Vous savez, quand on va voir les autorités compétentes, les juges et les avocats pour ça, vous avez remarqué qu'ils font toujours un an de séparation de corps. Vous pensez qu'un an de séparation de corps, comme ils disent, de chacun de ménage séparé, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils savent, parce qu'ils savent qu'après, quand vous allez au quartier, le petit truc que vous avez à mener là, ça peut être sexuellement, ça peut être dans le sexe, ça peut être dans, je sais pas moi. Le charme, ça peut être que le gars, il dansait bien. Et puis tu vas à une fête la semaine qui suit la séparation, tu le vois, et puis tu t'approches vers lui, et puis tu dis, mais c'est quoi même? Même si le juge a dit, et puis tu reprends tes affaires. Donc, ils savent que vous pouvez vous entendre après. Donc, ils donnent toujours un an pour dire que, bon, les parties sont séparées, mais s'ils apprennent que vous êtes mis, ah, tant mieux. Vous voyez, non. Donc, vraiment, je vais vraiment vous donner comme un petit 5 minutes de questions vite fait, et puis je vais devoir vous quitter. Je vous aime beaucoup. Vous n'en doutez pas, et je vais essayer de donner la bonne version de moi que vous aimez toujours. Et ensemble, on va y arriver, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, la belle famille, oui, mais ne lance pas la flèche à l'autre. La belle famille, l'origine, mais qu'est-ce qui s'est passé? You need to know. Tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la belle famille saute sur moi? Mon mari a-t-il été un peu laxiste là-dessus? Est-ce que c'était sa faute ou c'est la faute de sa belle famille parce qu'ils sont là pour gâter? Est-ce que c'est... That's a question. Tu dois te poser beaucoup de questions en fait. Vous comprenez? Tu dois te poser beaucoup de questions. Donc vraiment, en Suisse, c'est 2 ans avant, c'était 4 ans. Voilà. C'est pas pour rien qu'on donne ce délai-là. Même moi ici au Canada, je sais pas. J'ai pas vraiment de clients qui sont vraiment en séparation en tant que tel. J'ai juste des gens qui ont des conflits, genre je m'en vais, je reviens, je m'en vais. Tu sais, trop de voyages là. Ouais. Merci Josie, merci pour les cœurs. Donc vraiment, vraiment, j'aimerais t'interpeller là-dessus. Je ne peux pas être indifférent. Des fois, je me dis non, quand je vais venir parler, je suis qui vont dire que. Mais non, j'ai arrêté de penser à ce que les gens vont dire parce que quand tu t'arrêtes à penser ce que les gens vont dire, tu meurs avec ce que Dieu a mis dans ton cœur pour ça. Il faut vraiment aller à la brèche. Il faut penser, c'est-à-dire, il faut te mettre toujours à la place de l'autre. Enlève tes chaussures, laisse tomber ton ego et mets-toi à la place de l'autre. Dis que je suis une femme, je porte toutes mes affaires, je rentre chez nous quand il y a un problème. Mais moi, maintenant, si j'étais aussi l'homme, comment j'allais faire? Quand toi, tu rentres, tu le laisses là à la maison, tu crois que lui, il va rester faire comment pour gérer les autres? Tu penses même aux enfants que tu laisses, tu penses même. Donc, tout ça, parce que vous avez pris un engagement, vous êtes des adultes, vaccinés et consentants. Donc, c'est lâche de toujours, you know. Voilà. Donc, pour nous, you need to. Faut te poser des questions, les vraies questions, mes gens. C'est très important. Moi, je dis, quand il n'y a pas des enfants, c'est correct. Mais quand il y a des enfants, on doit un peu essayer de voir, quoi. Tout est possible. Si vous êtes déjà mis ensemble pour faire des enfants, il y en a qui ont jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Maman, vous étiez en train de jouer. C'était le jeu. Vous étiez en train de faire. Donc, par rapport, trouver des solutions. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Faut pas dire que ah, le feignant, là, ou bien ah, la feignante, là, tu étais avec. Tu étais avec Hora. Si tu as mis en sort même tes photos, tes albums, tu étais là-bas. Peut-être même tes affaires sont encore là. Donc, arrête de droiter là. Mets le doigt sur toi. Moi, Nathalie, qu'est-ce que je veux être? Serais-je une bonne épouse? Serais-je une bonne mère? Serais-je une bonne belle-sœur? Une bonne cousine? Une bonne sœur? Si nos mamans ont eu à supporter nos papas, pourquoi pas nous? En effet, nous on est un peu, c'est comme on est comme, tu sais, on est dans l'ère de la technologie, hein, c'est comme les téléphones intelligents. Donc quand ça ne va pas, on zappe. T'sais, tu vas à Snapchat, ça va pas, pap, tu entres à Instagram, ça va pas, pap, tu vas à Facebook, ça va pas, pap, tu vas à Twitter, ça va pas, tu vas. Donc il y a trop de réseaux, quoi. Donc par rapport, tu vas me sur ton statut WhatsApp, il y en a qui ne fonctionnent qu'avec le statut WhatsApp, ils gèrent rien. Donc par rapport, donc vraiment, mettons-nous, you know. Mettons-nous à la brèche. C'est trop facile. C'est trop facile. Il n'y a rien dehors. Hein. Il n'y a rien dehors. Je vous dis, il n'y a rien dehors. Donc, 1 minute encore. S'il y a une question, je m'en vais. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et voilà. Et voilà.
Donc, c'était la galactique PDG, la mère bio, Woman Empowerment, Motivational Speaker. Je travaille aux solutions des problèmes. Je t'aide à le faire aussi dans ton foyer. Chaque vie doit compter et c'est important d'impacter des vies, que notre passage sur Terre ne soit pas vain, que ça soit, que ça puisse impacter, que les autres personnes disent qu'il y avait une femme là, voilà, c'est important. Il y avait un homme là, voilà. Oui, je pars, ma chérie, je pars, je reviens. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Je suis contente que vous me fassiez l'amitié de me suivre. Aimez ma page La Galactique PDG canadienne. Aimez... ma page Galactiquement Autre, abonnez-vous sur mon compte personnel, ça me fait plaisir de vous avoir tout le temps. Et n'oubliez pas, numéro de téléphone, +1 514 915 0160. Ensemble, on va travailler aux solutions de ton problème, que ce soit la relation de couple, la relation amicale, la relation familiale, frère et soeur, mère, père. On a notre part de responsabilité dedans. Oui, la responsabilité, on en a. Donc, c'est important. Oui, PDG canadienne, sans lignée, par exemple. Bisous. Bye. Je vous aime.